Frères et sœurs de l'Église baptiste Adonai, chers amis de partout, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Allons, belle bagaille, le monde gagne Jésus-Christ comme sauveur. Ou gagne la vie véritable, à sa force en tout arrêt, tout temps, parce que ou gagne un cœur où, malgré un environnement qui parfois malheureux, ou gagne un cœur où, une joie, que rien pas capable d'altérer, rien pas capable de dépasser. Ou capable de comprendre pour qui ça, dans mi-temps épreuve, dans prison, Paul est capable de dire à chrétien de Philippio, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il y a un chant que nous exécutons l'église là, et dans plusieurs églises d'ailleurs, que ne puis-je, mon Dieu, dans un couplet, l'auteur l'a dit, qui ça l'enfer capable de retirer, qui ça la terre capable de bailler. En plus, à un monde qui a joui déjà du ciel, depuis son terre, ça, et du Dieu trois fois saint. Et ça fait, mes bien-aimés, nous pas capables de pas aborder et occasion qui mettait nous en contact avec Dieu et sa parole, nous pas capables d'aborder occasion ça, sans c'est pas avec un pile joie, un pile cœur content, c'est avec un pile cœur content. Donc, que nous accueillons à soya, dans le programme de méditation, nous espérons donc que bon Dieu va parler à cœur, à travers la parole, que nous va aborder d'ici peu, et que parole cela, il va ou bien porter au point de décision pour Jésus-Christ, ou contre Jésus-Christ, ou bien contribuer à raffermissement de foi dans un temps qui est de plus en plus difficile que la traversée. On va commencer par baisser tête non pour nous prier. Ô Éternel, bon Dieu, Papa, nous qui sommes dans le ciel là, chaque fois on a pensé au fait que nous gagnons le salut, le prix qui était doué payer pour justification, nous, ça a été fait par le sang de Jésus-Christ. Nous sentis que cœur nous débordait de joie. Nous petit tout, par voie de conséquence, nous héritiers, selon Paul, nous avons l'espérance de la gloire éternelle et nous capables de miser sur présence à chaque pas dans la vie. Ça. Quelle grâce, quelle faveur, quel privilège. Et lorsque Seigneur nous gagne toute bagasse là, nous ne sommes pas capables de pas parler. On a dit qui nous est, qui ça qui est dans nous-mêmes, qui richesse qui est dans nous-mêmes. Invitez amis, nous, parents, nous, collègues de travail qui pour rejoindre une richesse à être capable de venir à Jésus-Christ comme sauveur et le servir une petite tout. Il va bénéficier de toute faveur si là que nous gagnons. Parlez à cœur, donc à ce Seigneur, parlez à cœur, nous toutes. Et nous va glorifier au nom petit tout. Jésus-Christ, sauveur, nous, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Une fois de plus, chers amis, nous voulons dire merci pour l'attention régulière à programme SILA que l'Église baptiste Adonai transmet pour vous chaque semaine. Chaque lundi, c'est temps de méditation, nous. Et nous allons faire ça dans peu. Mercredi soir, c'est l'étude biblique. Et vendredi soir, c'est la réponse à questions que vous posez, nous. En pile, là, nous avons un dépôt déjà, questions que vous continuez à poser. Parce qu'en pile, monde a des questions sur la vie, sur la Bible, sur relations humaines, tout bagaille là yo, il fait partie de thèmes que nous travaillons sur pendant des années, dans la recherche, dans l'université. Et avec la grâce de Dieu, nous sommes capables de joindre une possibilité pour avoir des directives, des pistes au-dessus pour améliorer la vie sur Terre. Ça. Donc, nous sommes très contents qu'on choisisse le programme là et nous espérons que non seulement on va suivre, mais on va prendre les amis. Parents, monde qui prêt, monde avec qui vous avez des relations, après les pour venir partager avec vous-même, l'émission c'est là, pour like it. Et bien sûr que au fur et à mesure que vous partagez, vous suivez, eh bien, il va venir un désir, puis vous abonner à la chaîne Adonai Baptist Church, qui va bailler un pilote avantage, accès d'ailleurs à presque toute bagaille que nous avons fait dans l'église. Encore une fois, merci pour attention. Il va immédiatement passer à la lecture de la parole de Dieu que nous venons dans l'Évangile selon Marc, chapitre 5. On va lire à partir du verset 25. Marc, chapitre 5, on a commencé dans le verset 25. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allé plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule
par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. C'est un bel passage que nous sommes là dans l'évangile selon Marc. Et avant que nous passions à la méditation du soir, nous allons attendre un chant spécial qui va présenter par une chanteuse dans l'église Baptiste Adonai, une sœur qui a une très bonne voix de soprano, qui chantait dans chorale, qui chantait dans plusieurs groupes. C'est sœur Caroline Monfiston. C'est sœur Caroline Monfiston, on a pas le temps de coulier. Et chant que la voix l'exécuter pour nous. On a dédié la toute bien-aimée que nous t'ai citée hier matin à Adonai, l'occasion de l'anniversaire, si nous songeons de toi, Noyo, et Rose Valsin, et petite nous, et docteur Venante, et Servalis, pasteur, avec Marie-Lie, pasteur Wilbert Servalis, qui fait dans mes mois sur Paulette, estimé, un monde qui est très cher à nous-mêmes, qui est dans le département des enfants, mais un bon ami de famille, nous, moi-même particulièrement, de madame moi. Et nous avons Frère Bernard Etienne, nous sommes top leader dans l'église là. Frère Daniel Saint-Point, même bagaille là, un grand musicien. Enfin, plusieurs autres, nous avons songé tout là, parce qu'on a fait ça spécialement vendredi prochain, avant le service du deuxième dimanche. Chaque deuxième dimanche, nous avons Adonai. Nous prenons le temps pour nous capables d'honorer mon cap célébrer l'anniversaire. On a moi, surtout les leaders de l'église. Nous attendons sœur Caroline Monfiston. Un chant spécial pour mon salaire et pour le programme. Je ne puis plus vivre
Encore une fois, nous disons très grand merci à Sœur Carline Monfiston pour une contribution magistrale qu'elle portait à programme Soya. Chant ça très 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 édifiant. Non seulement l'exécuter chant bien, mais message qui nous chant mérite attention, non. Nous allons faire au plaisir, je veux te plaire. Et c'est ça qui a le désir tout chrétien, tout le monde en général, puisque nous toutes ces créatures de Dieu, un peu dans nous devenir petit bon Dieu, mais. D'abord, ces créatures les nouées, on a donc un seul but nous sous terre, ça, un seul désir nous, pour nous faire le plaisir. Encore une fois, merci beaucoup, Sœur Carline Monfiston. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, nous lisons dans verset 34, là, déclaration de Jésus-Christ qui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Pas gen rien qui est plus bon, qui est plus doux pour l'homme que lorsque il a un rêve que l'on a caressé pendant longtemps, il ouais rêve si là vient réaliser. C'est l'expérience d'un peu le monde qui commençait en carrière, qui obtenait une promotion ou bien qui était malade et qui tendait docteur ou zio que condition là est totalement guéri. Par exemple, you cancer free. Lorsque vous recevez une bonne nouvelle comme ça porte la joie dans le cœur. Et Salomon dit nous, par exemple, dans Proverbe 15, verset 30, qu'une bonne nouvelle, il fortifie Mambio. C'est comme de l'eau fraîche pour un monde qui est fatigué, il ajoutait dans Proverbe 25, verset 25. Parfois, il y a pile de monde dans la vie qui passe en pile de temps, des années avant de rejoindre une bonne nouvelle. Et lorsque ça arrivait que bonne nouvelle, si là, vous tendez dans les oreilles, vous recevez. À peine au capable d'imaginer immensité de joyaux, nature de soulagement. Eh bien, c'est situation-ci là que femme que nous sommes l'histoire là, t'es expérimentée. Son histoire qui est très populaire, présentée par les trois premiers évangélistes, avec évidemment des détails qui particuliers à chacun, mais tous les trois et les femmes c'est là. La femme atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. C'est pas chouette, c'est mon bagage hier, c'est mon bagage avant-hier. 12 ans de souffrance, d'hémorragie. On nous font garder quelques éléments de passage là. D'abord, nos femmes, nous en face de un monde qui est totalement désespéré. On n'y est pas marché pour lui. Il a souffert de façon atroce. Et passe à la dîner, il a passé 12 ans à souffrir, 12 ans à visiter médecin. M'a précisé qu'elle t'a dépensé toute sa gain. Et pourtant, situation est à parler de mal en pis. Est à empirer. Monsieur, que quelqu'un l'a capturé, moi, soit qui connaît une situation comme ça. Parfois, c'est pas dans le corps tout le temps. Parfois, c'est dans l'autre aspect dans la vie. Yo. Et lors de situation, ça, on a l'impression que rien n'a pas marché. Parce qu'au fin, on a trop échec, on a eu trop déception. Et on a l'impression que casser là, démarche ça, on va le faire. Parler avec Mounsa. Docteur ça, qu'on va le rencontrer. Businessman ça, qu'on va le aborder. Ou bien, l'impression, c'est même bagarre là, qu'on va arriver. À gauche, c'est refus. À droite, c'est déception. Ou pas loin pour crier. Même genre, avec auteur de pièce là, acteur peut-être, l'acteur principal du CID, des deux côtés, le mal est infini. Non seulement dame si la t'a souffri physiquement, mais t'a souffri socialement. Bible là-bas dit nous s'il t'est marié, mais ou ka imaginer attitude d'un jeune mari d'environ 25 à 35 ans avec une femme qui vient perdre de sang, qui tout le temps, même dans le service, côté de la réception, tout le monde a dansé, et puis il vient dans l'oreille pour le dire, chérie, il y a besoin de pimpeuse, ou a fini, il pas capable de travailler. Parce qu'elle était de déplacer de temps en temps pour la nettoyer, il n'y a pas de caméra de blanc, par exemple. Il t'a exposé. Mais ça pire, c'est que dame, si là, t'as souffert trop religieusement. Parce que, mes bien-aimés, les lois de l'Ancien Testament, ils n'ont pas en faveur. Lévitique 15, verset 19 dit que n'importe quel monde, une femme qui a un flux de sang, qui a un sang qui a coulé sous lui, faut lui être 7 jours caché. Et n'importe qui touché, ou impur, ou capable, madame, si là, il paraît exposé pour le bal la main, pour le bal la collade. Et verset 26 et 27 de
même chapitre là, Lévitique 15 dit nous, même cabane côté madame s'il a accouché pendant durée de hémorragie, cabane a déclaré impur n'importe monde qui touchait cabane s'il a ou souillé tout. Ou même on a de laver radeau et ou impur jusqu'au soir parce que seulement tu es touché. Verset 28 et 29 de Lévitique 15 dit nous que la dame ça a été guérie. Faut compter 7 jours de pureté totale avant l'y sortir et l'elle sortit dans 8e jour. Premier bagage que l'on pour le faire, c'est à porter un sacrifice d'expiation. Donc, mes bien-aimés, c'est comme si nous l'avons dit dans le langage d'hier. Pasteur, diacre, leader, a dit tout le monde, veillez non, pas de madame Salam, mais non. Parce qu'il y a un danger spirituel dans ça. Donc, à imaginer. Qui déception que moun si la gen, on bagay ki ka jete lan depression, li gen puissance économique, li rejeté par la société, par parents li, et même par sanitaire l'église avant la lettre. Donc on est l'église pas trop existé, mais nous employons l'église avant la lettre, la communauté religieuse. Son dame qui n'en honte, son dame qui a pleuré nuit et jour, qui a un sentiment que li inutile, li frustré. Et dans le cas comme ça, on va même connaître si des tendances suicidaires. Pas développer pour me dire c'est qu'on s'amie, pas avoir rien pour tête moins, société a pas toléré, même côté malib m'adore et rejeté, qui ça m'a besoin de continuer à vivre, pour qui ça m'a besoin de continuer à vivre, qui ça me vaut sous terre ça. Au monde comme ça, il est capable d'aller loin. Mais il y a un deuxième élément que moi dans le passage là, qui a changé totalement la condition de cette femme, parce que ça l'a dit nous dans verset 27, ayant entendu parler de Jésus. Ah oui! Il y a des gens dans la zone si là, qui t'a parlé de Jésus. Et nous connaissons que Jean chante, les crises venues. Glow nos yeux suyés. Nous chantons chant là, dans le chant d'espérance. Créons nous dans le numéro 123. Les Jésus qui rentrent dans nos cailles, eh bien, la honte pour elle disparaître, et la tristesse pour elle tomber. Glow nos yeux pour elle tarir. Et dans la société, côté madame, nous avons vu là, il y a un bruit qui te concerne Jésus. Nous songeons que. Mais Marc 1 dit non, par exemple, que lorsque Jésus-Christ a fait une guérison les poils, il renvoyait, il dit pas, il dit personne ça. Mais il y a des miracles qui ont envie, ou pas capable de dire ça. Marc 1, verset 45 dit non, ça allait tout partout. Il publie bah, là, tout partout, il divulgue. De sorte que depuis Jésus a rentré en côté, tout le monde a dit, mais non, non, il s'est guéri les poils. Quand l'autre monde Jésus est guéri tout, Marc 5 dit nous ça, en commencement. Et Jésus-Christ dit lui, dans Marc 5, verset 20, allez la caillou vers mon famille et racontez tout ça côté expérimenté. Comment bon Dieu te fait pitié de vous-même. Et Marc 5, verset 20 dit nous que dame, monsieur allez dans toute ville là, dans la décapole, au moins dans 10 villes. Pour raconter tout ça, Jésus-Christ est fait pour lui. Ayant entendu parler de Jésus. Ou pas qu'il doit Jésus pour parler de lui. Paul dit nous dans Romains 10, 14, comment on va croire dans cela que il va tendre parler de lui et comment il va tendre parler de lui, c'est pas quelqu'un comme même qui bénéficie de grâce lui. Il va partager ça avec l'autre monde. Assurément, dame si là t'es tendre parler de la miséricorde de Jésus, m'a dit pitié non, la pitié avec miséricorde pas même, pitié c'est gardon monde qu'on fait mal pour le pas faire, mais la miséricorde il active, il dynamique, le cœur fait mal pour monde agir et c'est comme ça Jésus-Christ est. Dame, n'entendez parler de la miséricorde de Jésus. Il tendait que Jésus-Christ, il n'a jamais trop occupé pour les guérir les gens sans situation. Et Marc dit, nous, dans le passage, nous sommes là, nous parlons du commencement passage là. Mais dans le commencement passage là, Marc dit que lorsque Jésus sortit dans le bac là, c'est un chef qui est venu côté pour parler d'un petit type malade qui a besoin de guérison. Ça veut dire Jésus-Christ n'a pas aucun rendez-vous avec dame si là. Jésus-Christ laisse zone pour aller la caille monsieur Sila, Jaïrus pour aller d'elle avec petite li. Voilà que verset 24 là dit nous que verset 25 là que nous sommes là dit nous que une femme qui a atteint de perte de sang, qui pat dans programme immédiat Jésus-Christ, qui pat gain rendez-vous avec Jésus, c'est ça oui les miséricordes là. C'est ça oui le monde qui est capable de quitter leur activité pour lui concentrer son monde en situation. La miséricorde c'est lorsque vous dites bah où ça qu'on pas te mériter. Ou va te mériter rendez-vous, ou va te mériter contact parce qu'on va gagner rendez-vous, ou va te mériter un dialogue, une conférence avec Jésus-Christ parce que ou va te gagner, ou va te n'aurélé. Mais situation tellement drôle, situation de souffrance, il est tellement frappé que laisser l'autre rendez-vous pour les concentrer sur. Allons bon Dieu, on a servi.
C'est pas ça, ça c'est pas chanson, c'est ça, la grâce, la miséricorde, la compassion de Dieu. Un Dieu qui va jamais te occuper. Pour petite lit qui est en détresse. Moi, mais quand c'est là que nous chantons parfois, Maître, entends-tu la tempête? Deuxième couplet a dit, Maître, mon cœur chancelle, oh, qui verra ma détresse? D'où me viendra le secours? Et puis il finit par dire, à toi, Seigneur, je m'adresse. C'est à toi que j'ai recours. Gémon. Dans la société qui parlait de Jésus. Dame, ça t'est temps de parler de Jésus. Et c'est ça qui va mener dans notre troisième élément dans le passage là. La foi et la persévérance de cette dame pour elle bâtir la victoire. Persévérance, mes bien-aimés, sa paix. Persévérance dans la vie du Seigneur, persévérance dans la prière, persévérance dans le service, ça rapportait. On a passé 2 ans, 3 ans, bon Dieu, pour répondre, 10 ans, parfois 30 ans. Mais le fait demeure que de pouvoir persévérer, ou demander à bon Dieu, ou être précis dans la requête, et fait essayer de remplir les autres conditions que mon Dieu mettait pour répondre à prière, ou recevoir exaucement. Quand les justes crient, Éternel entend, nous dit David, au psaume 34, et il les délivre de leur détresse. Et Damnan dit, selon verset 28, si seulement t'es qu'à toucher Radley, m'da guéri. Et puis, si vous regardez, c'est comme ça, version française, nous, mais créons, nous traduit le passage là. Mais là, regardez la version originale, la version grecque là, il dit, c'est pas, il va dire, elle disait en lui-même, c'est comme s'il a dit, elle allait 10 ans à elle-même. Excusez-moi, je dis 10 ans en lui-même, en elle-même. Mais c'est comme s'il avait dit, elle allait 10 ans à elle-même. Ça veut dire, au fur et à mesure, la marche, elle a répété ça. Et ça m'a dit, il y a un matin fidèlement à l'église là. Veillez nous pour ne pas dire n'importe quoi sur tête, non. Pour son apôtre, le bouddhien, ça n'a pas de solution. Non, il dit tête-le, il dit tête-le, si m'a les côtés. Peut-être me toucher vêtement, m'a guéri. Vous parlez de nom, c'est là. Vous parlez de pouvoir de guérison. Je viens de braver fou là pour m'ouvrir jusqu'à là. Je ne peux pas quitter la zone ça sans me parler Jésus, sans me pas toucher. Je dis à c'est tout moi, je dis à c'est ces hommes, voulez pas voulez, que monsieur tu aimes, que ça vous fait vous faire lui. Que vous battez moi, faut me toucher Jésus, faut moi Jésus. Mais ça, vous voulez la persévérance, mes bien-aimés. Et m'a dit à Soya, pour tout le monde qui attendait, que Jean le persévérant, c'est là où très souvent c'est là qu'il y a la femme qui rejoint le nez. Puis les gars sont pas contents avec. Par exemple, tout pasteur à l'église qui a une expérience dans l'église, frappé par la détermination des femmes de l'église. Et psychologue dit avec raison que femme a tendance pour pire motive que l'homme. Et il y a un pasteur comme André Mora, par exemple, de l'Académie française, il dit que s'il ne pas respecter la Bible, en expression contre l'éternel du pouvoir, il t'a pivelé quoi que c'est Sarah qui t'a dit ça au lieu que c'est Abraham. Parce que la femme, elle est plus persévérante, elle est plus foi, il semble, que l'homme. Je dis, les femmes font en colère, elles sont en colère net. L'elle gagne l'amour, elle gagne dévouement total. En tout cas, nous allons dans ça pour lire. Mais la femme de l'histoire que nous sommes là, la femme atteinte de perte de sang, elle dit, pas tourner la caille moins. Ak maladie ça. Problème qui a fait me souffrir. Rond si la fol fini. Moi, pas tout navel. Je dis à femme toucher Jésus. Je dis à femme jeune Jésus. Je dis à femme jeune guérison. Et ça, Salomon dit non. Il y a un proverbe 18, verset 21. Il dit non. Ça nous dit à bouche non. Extrêmement important. Soit marcher et prophétiser malheur pour la vie. Ou va dire, je ne peux pas rien. Je ne peux pas guérir. Je connais maladie ça a fini pour moi. Si c'est que. Oh, je ne sais que, vous en. Petit bon Dieu, il faut avoir la foi. Petit bon Dieu, il faut connaître que bon Dieu est capable. Pas grand rien, il n'est pas capable. Ça fait nous penser à Jacob qui te dit, je ne te laisserai point aller que tu ne mets bénim, pop qui toi aller, son pas bénim. Selon Genèse 32, verset 26. Never give up. En prière, non. Never give up. Non, service au bon Dieu. Je dis, dans le siècle passé, et le premier ministre britannique, Winston Churchill, très connu pour et capacité oratoire, sa verve, il est invité à porter la parole dans une grande université, probablement Harvard. C'est un grand orateur, comme ça dit. Et puis, content, chef constat, on a de grande réputation. Il a obtenu pour nous son gros discours chargé de figures de style et de belles mots. Et puis, on dit que lever le point microphone, non, il y a approché le tabla. Et puis, il dit tout simplement, chers amis, chers diplômés,
Dans la vie, quelles que soient les circonstances, persévérer, persévérer, persévérer. Et puis au grand étonnement de l'auditoire, les chita, fini. On saisit, on a regardé l'autre, mais c'était une belle voix, belle voix, belle timbre de voix. Donc ça, restez dans le royaume, never give up, never give up, never give up. Et c'est ça, cette femme, atteinte de perte de sang, de fait. Il souffrit pendant longtemps, et tout ça, elle vient là, il dit, bon, je vous dis, à ces jours, pam, bon Dieu là, dans la personne du petit Jésus-Christ, pape sauti, sans guérison, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, m'a touché Jésus. Hébreux 10, verset 36 dit non, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et Hébreux 12, verset 12 là, verset 1er, c'est-à-dire, il dit, nous courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Marrant qu'il soit traversé à soi. Bon Dieu, qu'on est ou qu'on est. Est-ce qu'on perd de sang, mais avec dame, c'est là que Marc parlait de lui. Est-ce qu'on bagaille qui est aussi pénible, aussi lourd de circonstances, de conséquences pour vous-même que cette perte de sang, un problème de famille, pour lui avec petit tout, ou un petit cap descendre sur le plan moral, sur le plan physique, en bas yeux. Est-ce que son business ou bien qui fait que vous n'avez pas dormir, vous n'avez pas vivre? Est-ce que c'est vie spirituelle ou à lutter contre certains travers de personnalité qui peuvent disparaître? Bon Dieu dit, bon Dieu, cela a une solution. Touchez Jésus par la foi. Pas mettez bas les armes. Pas seulement passer ton temps à crier, pensant que tout est fini. Jamais rien n'est totalement fini pour le monde qui a suivi Jésus-Christ, qui a suivi bon Dieu. Voilà, vous avez fait expérience à Soya. Fait comme cette dame, approche-toi de Jésus-Christ. Par la foi, pas car elle, mais avec dame. Mais là, nous allons chanter Jésus est au milieu de nous. Pourquoi faire? Pour nous bénir. Pourquoi faire? Pour nous entendre. Pour nous sauver. Pour nous délivrer. Fais ça donc à Soya. Bah, Jésus-Christ, la vie. On a vu une petite bon Dieu. Persévérer dans la prière. On va saisir pour dire à parents, à amis qui étaient doutés de relèvement. On va dire un jour, mais moi-même, moi réparé totalement. Son mon neuf moyens, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique ou le plan relationnel. Pour qui ça? Parce que je me rencontrais au monde. Il était parlé de lui-même. Je me rencontrais vraiment. Mon ça, c'est Jésus-Christ. Il délivre, il sauve. Alléluia. Je ne pas même mon encore. Le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, nous voulons vous remercier pour attention à programme Soya, méditation. J'espère que méditation, si là, elle touche cœur ou. Et que sous gain Jésus-Christ déjà, vous persévérez sur le parcours gain lui. Vous bâillez vieux à lui-même à Soya, vous prenez détermination pour persévérer dans la prière, persévérer dans la relation avec bon Dieu, avec Jésus-Christ. Parce que secret victoire, non, secret guérison, non, secret délivrance, non, c'est dans la persévérance, dans le service et dans la prière. M'espérez, chers amis, qu'on pas seulement suivre le programme, mais on peut abonner tout. Et on peut encourager l'autre amis, parents qu'on connaît pour abonner. On va dire que l'église Baptiste Adonai a un très bon programme pour les lundis soirs. Il y a tout le mercredi, on a l'autre forme de programme. Il y a tout le vendredi. Et on peut faire, on peut engager, encourager pour abonner. Qui j'a fait ça? Et après, les sous dans le téléphone ou bien le computer, on peut écrire. Il a cherché YouTube, et là, je viens YouTube, il a écrit sur l'écran Adonai Baptist Church. Il a cliqué sur une cloche quoi pour la droite qui semblait avec, alors, pas semblait net, mais qui représenté par flèche ci là qui à droite de mon subscribe là. Et à partir de ça, on devient membre de chaîne ci là, il y a les Adonai Baptist Church. Si on encourage l'autre, on fait ça tout, eh bien, Koto Chita. Ou à peut propager la parole de Dieu, parce que la Bible a dit que lorsqu'on monde est dans l'autre, pour lui prendre la bonne voie, eh bien, ce n'est pas deux bagages faits pour mon nom, ou à peut contribuer à retirer sur terre si la trouble dans la vie au monde, et ou à couvrir une multitude de péchés, Jacques 5, versets 19 et 20. Que bon Dieu aide nous, que le kembe nous, dans grâce li, que le kembe nous dans la persévérance, et quel que soit ce traversé là, pas découragé, croyez en bon Dieu, croyez en Jésus-Christ,
persévérer dans la prière, sous quoi chrétien déjà, pas quitter bagage là où faut faire bac, continuer à persévérer dans le service, dans le ministère. Et monsieur que bonjour va écrire à docteur Marie Valsin, église Baptiste Adonai, pour dire pasteur, sortez dit non, c'était vrai, j'ai fait expérience là, j'ai traversé les moments difficiles, après je me suis entendu, mais engagé dans la prière, dans le service, dans le ministère. Et je dis à pasteur Valsin, bon Dieu, réparez-moi totalement. Que bon Dieu bénisse nous. J'espère que nous allons rencontrer d'ici peu pour d'autres programmes. Mais en attendant, je vous ça, que nous rencontrer probablement mercredi prochain. Je prie et souhaite que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence et à laquelle vous et nous sommes appelés, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonsoir.